On va faire un petit tour de voiture avec la nouvelle voiture d'Anthony. Voilà, qu'il a eu pour ses 20 ans. Il a décroché son permis il y a tout juste une semaine. Et voilà. Ok, salut la team. Aujourd'hui, départ sur la Côte d'Azur. On va à Saint-Raphaël, plus précisément à Gué. On a d'autres trains à 15h. Et à moi à dire, ça va être que du sale. Hein. On se rejoint directement dans le train. Et voilà, dites-moi dans les commentaires vos destinations à vous. Et puis voilà, bonnes vacances à tous. Et là, il y a un commentaire sur le Salto Arrière. Commentaire sur le Salto Arrière, qu'est-ce que ça va être? C'est impossible de le faire en 20 minutes. Et je sais de quoi je parle, il avait forcément des bases avant. Alors, qu'as-tu à répondre? Ce que j'ai à répondre, c'est... Ta mère, sale pute. C'est... Oui, oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Dans la vie, quand vous voulez faire quelque chose, faut arrêter de dire qu'on n'a pas de couilles. Hein. Work body. Non, sérieux, faut juste penser. Faut pas se dire c'est pas possible. Faut se dire bah, je le veux, bah je vais le faire. Voilà. Quand on veut, on peut. Voilà. C'est parti, on est dans le train. Que du sale, je vous présente Alexandre. Que du sale. Un frérot de France. Et du coup, le vlog commence maintenant. Je vous reprends vers le milieu du chemin. Ou sinon on fait une vidéo pendant 5 heures si vous voulez, si vous êtes chaud. Bon allez, tout à l'heure. Ok la team, on est arrivé. Donc dans notre petit Airbnb. Voilà. Le papy il est fatigué. Bah il a conduit toute la journée. J'avais lancé une pastèque dans les doigts. Et il a pas réussi à la rattraper, du coup il l'a pris comme un peu au basket. Retour de doigts. Voilà, je suis désolé. Puis il y a la chaudasse qui est en train de fermer les volets. Alors, vous allez voir, je vous expliquerai demain, je fais un petit débrief avec la chaudasse. Tout à l'heure, dans le train, on a discuté avec un mec par airdrop, je vais vous expliquer. Demain, ça en détail, vous allez bien rigoler. Voilà, donc là, on va sortir, on va rejoindre des potes, et puis on se recapte demain. Que du ça ! Que du ça ! C'est le McDo, je suis José Bové. Jamais hésité, j'ai osé poser. Tu crois que je vais lâcher, tu me méconnais. Frérot, même en Inde, je vais décoller. Garde-moi bien et prends-en de la graine. Comme j'ai pris sur mes soldats, je prends le 5 pour centimes d'Adeco. J'ai levé des châteaux dans un Algeco. Envoyé des pics, je vais prendre l'apéro. Je te viserai jamais si t'es pas très haut. Je suis pas patriote, frère, je suis humaniste. Mais mettez bien la mif en haut sur ma liste. On fera un tabac comme les pluralistes. On monte un empire même si ça pue la crise. Petit ce que j'aime. Ok la team, alors cet après-midi on a été à la mer. J'ai pas pu filmer parce que c'était dangereux de laisser ma caméra tout seul. Niveau alimentaire, alors c'est sûr que je mange pas super propre. J'ai quand même mes protéines, très important. Après sinon je vais vous montrer un peu comment je me démerde niveau alimentation. Donc je bois un peu aussi le soir, donc voilà. Mais là je vais faire une séance de sport, je vais vous la montrer aussi avec ma soeur. J'essaie de faire un maximum de sport pour essayer de rester un peu sec. Donc je suis pas totalement sec, je vais vous montrer des photos. Mais voilà, je vais rester un peu les abdos tracés au moins visibles. Et je vais vous montrer, bref, je vais vous montrer comment je fais un peu pour en sortir avec la malbouffe et garder les abdos visibles. Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Et avec ça, avec que ça je fais. D'accord, donc vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment on arrive à mélanger la malbouffe et garder les abdos. C'est pas compliqué, il suffit de... Sucer des bites. Ouais non, c'est pas vraiment le terme. Il suffit de votre apport calorique soit en dessous de votre apport sportive, bon, énergétique. Allez, go. Allez là c'est parti, donc on va faire notre petite séance. Donc je vais faire un peu de cardio et renforcement musculaire. Allez, pas trop d'éther ma soeur. Bah moi je vais dire même en vacances faut en faire. Parce que sinon si on fait rien et qu'on bouffe le double de ce qu'on mange habituellement en faisant du sport, bah imaginez le reste quoi. C'est trop dur. Mais non, ça fait du bien, franchement. C'est une bénédiction de faire du sport. Moi, ça fait pas du bien. Mais si. Je bon. Souffre. En plus, il y a des montées ici, c'est parfait. Ah oui, non, par contre, non, Anthony, on court pas sur les montées, je t'en supplie. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais lui réserver et on se retrouve après la team. Ok, donc là, ce que j'ai trouvé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il y a un petit sol. Du coup, on va courir un peu pour s'échauffer.
On va courir les 10 minutes. Après, on va faire un petit circuit training de 20-30 minutes. Et ensuite, on va finir par du stretching. Et demain, je prendrai mes élastiques donc à haute intensité. Comme ça, on pourra travailler un peu Attends, plus. Tous les jours, on va faire ça? Bah oui. Tous les jours. Une fois tous les deux jours. Bah non, tous les jours, allez, faut aller. Du coup, demain, je prendrai mes élastiques, on va plus cibler musculaire que cardio, ok? Je vais essayer de vous filmer un peu, j'ai pas beaucoup de batterie, mais c'est parti. Ok, donc normalement, il y a un petit échauffement avant le circuit training, bien sûr. Vous n'avez pas encore vu la vidéo du circuit training? Allez voir là ou là, je sais plus si c'est votre droite. Bref, cliquez en haut. Et du coup, normalement, il y a un petit échauffement avant, sauf que là, on a couru un peu, on a fait un semi-fractionné. Du coup. Un peu. Non, arrête, personne va. Du coup, allez, c'est parti, on commence. Alors, je t'explique, on va faire 5 tours, ok? 5 tours. En premier, on va faire sprint sur place. Donc, sprint. Comme ça, sur place. Un sprint, hein, pas sprint. Après, on va faire des squats. On va mettre des squats. Des squats normales, je veux pas de jump, je suis gentil. Squats. Après, on va faire. Du coup, on va pas mettre trop de groupe musculaire, celui que demain on va bien les taffer. Squat. Après, on va faire des ciseaux devant-derrière, comme ça. Oh là là, ça c'est dorel. Mais non, c'est bien ça. Ciseaux devant-derrière. Et après, on va faire. Qu'est-ce qu'on peut finir? Encore deux, il en faut. Les. Ça. Comme ça. Allez, non, comme ça. Oh non, 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 non. Si, ça c'est bien, ça on va mettre ça. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est avec les mains, c'est Bodytime qui l'ont inventé. C'est je sais plus comment ça s'appelle, je vais pas vous dire de conneries. Et pour finir, on va faire les talons fesses. Non, 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 c'est suffisant ça. 5. Et on va faire le tour. On va faire combien de tours? 5, on va en faire. 3. C'est bien, 3. 3. Ouais. 3. Allez, on fait 3, on verra. 3, 4. On va réfléchir, 3. On verra. Allez, c'est parti. Donc en premier, c'est quoi? Sprint. Allez, sprint. Donc on met pas de chronomètre, hein. Là je mets pas de chronomètre, je le fais selon nous, vu que j'ai les vacances, on va pas se mettre trop de difficultés non plus. Et on va quand même s'arracher. Allez, squat. Allez, donc le squat, n'oubliez pas, c'est votre talon qui permet de remonter. J'ai déjà expliqué ça un milliard de fois. Et je peux pas le redire. Le talon qui est remonté et pas le dos comme ça, hein, s'il vous plaît, hein. Arrêtez de faire ça. Votre buste doit être droit quand vous descendez. Et vous sortez le plus en arrière les fesses possible. Vous pouvez faire un petit jeu de main, comme la demoiselle le fait. Allez, un peu plus vite. Censé être cardio. Hein. Donc là, quand vous relevez, tendez pas les genoux complètement. Faut pas niquer vos articulations. Voilà, vous voyez, mes genoux, ils sont jamais détendus complètement. Hein? Ciseaux, allez. On va les enchaîner 3 fois les circuits. 3 fois sans temps de repos, comme ça après on fait pas beaucoup. Allez. Ah non, les enchaîne pas, Anthony, hein. Si. Bah sinon, on fait 5 tours. Choisis. Si on enchaîne 3, si on enchaîne pas, on fait 5 tours. Allez. Bon, la team, on a fait que 3 circuits training. Simplement parce que le sol, il est vraiment pas bon. Il y a des trous partout, il est pas plat, comme bah, vous voyez dans la caméra. Du coup, c'était chiant pour les squats, les relevés de jambes, tout ce qui est tout le circuit training. Du coup, là, ce que je vais faire, un bon petit fractionné pour bien se finir. Honnêtement, ça va, pour l'instant, je suis pas trop déçu de mon truc. On a un peu transpiré, bon, c'est grâce surtout à la chaleur, surtout. Bref, là, on va faire un fractionné de Starbla à ici, donc de là-bas à là-bas, le plus vite possible. Et on revient en retour en calme. Donc au calme, et après hop, accélération, donc un fractionné. Donc là ce sera pas du 30-30, on va dire ça va être du... Enfin si, ça va être du 30-30 en fait. Ça va être du 30-30. En retour, Cassandra, c'est on marche pas, hein. On court mais doucement, à notre allure. Non, mais voilà. Je peux plus, moi. Mais si tu peux, allez. Allez, demain sera plus facile, sera du renforcement musculaire, moi je préfère, c'est plus facile. Et voilà, on fera un jour sur deux, renfo, cardio. Et puis le dimanche, on fera une petite séance. Voilà la team. Ok, on vient de faire un petit fractionné. Donc le sol, on reviendra plus ici. Il y a des trous de partout, on a failli se péter des chevilles. Moi je glissais, le sol il est pas du tout adhérent. Franchement, ça va bien tuer. On va même faire du fractionné, des trucs comme ça. Plutôt que faire courir en endurance, ça va rien changer. Donc faites du fractionné, ça change vraiment la vie. Voilà team, on se retrouve. Je sais pas, on va faire un petit apéro. Mais comme je l'ai dit, oublie pas, c'est un lifestyle. Faut juste pas oublier son objectif que vous avez en tête.
Mais ne pensez pas que... Oui, bon, je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y, dis-nous. C'est que tout à l'heure, je voulais pas commencer l'entraînement. Je disais que c'était horrible de faire du sport. Ouais. On n'a jamais envie. Sur le moment, c'est très dur. Mais après, c'est vrai qu'on se sent vraiment super ouais, bien. Voilà, merci. On se sent super bien. Mais... Et l'entraînement était super. Merci, mon frère. Ouais, de rien. Comme donc voilà, n'oubliez pas, c'est un lifestyle. Donc là, on peut boire. Vous pouvez boire un peu d'alcool ou faire plaisir. Faut juste pas oublier votre objectif en tête. C'est le plus important. Voilà. À tout à l'heure. Ok la team, comme l'aurait bien vu, donc là on vient de changer d'appartement. Donc on était dans une villa d'un copain, Alexandre, vous avez vu, ses grands-parents. Du coup je vais vous montrer un peu comment ça, à quoi ça ressemble. Et après on fait un petit débrief. Ok, donc comme vous aurez compris, finalement, comme je l'ai dit sur Instagram, pour ceux qui me suivent, donc si vous me suivez pas, suivez-moi sur Instagram. Dans ma story, je vous ai demandé si vous préférez des vlogs courts mais beaucoup ou des longs pas beaucoup. Du coup, je pense que je vais plutôt faire des longs pas beaucoup parce que aussi c'est que j'ai pas énormément de temps non plus pour filmer et faire les montages. Du coup, je pense que je vais en sortir au moins une par semaine, ce sera bien, qui durera à peu près. Dites-moi dans les commentaires combien de temps vous voulez que ça dure, si vous préférez que ça dure super longtemps ou pas beaucoup, dites-moi. Là, je pense que ça va durer 10-15 minutes, je sais pas du tout, je m'en rends pas compte. Je vais aussi essayer de louer un drone pour pouvoir faire des bonnes images, parce que là, je me rends compte qu'avec un drone, ça va être un truc de ouf. Cette année, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter le drone. Du coup, je vais attendre, ça va attendre encore un peu, puis pour l'instant, c'est pas encore super utile. Mais bon, là, c'est vrai que j'en ai envie, donc je pense que je vais essayer d'en louer, hein, ça se loue. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog. Donc pour ce vlog là, on se retrouvera pour l'autre vlog avec du coup des plans au drone, je l'espère, je crois que ça va se faire. Et puis nous, de toute façon, on va faire du jet ski, j'aurai la GoPro, je vais filmer ça, on va faire du buggy, je vais vous filmer ça, du canoë aussi, enfin je vais tout vous filmer. Dites-moi dans les commentaires absolument ce que vous voulez voir. Je sais pas si vous voulez voir des backflip challenge, vous voulez voir des... On a eu une petite idée aussi avec mes beaux-frères, on a un petit truc, on fera... Je vous en parle pas maintenant, c'est une petite surprise. Voilà, mais dites-moi ce que vous voulez voir à tout prix, parce que je vais vous faire plaisir, vous. Voilà, dites-moi dans les commentaires, et puis n'oubliez pas, sur ce, prenez soin de vous, la team. Check l'ambiance, mon pote, elle est tropicale. La vague sera chaude comme un pigal. Bruit des talons, coupe celui des cigales. La soirée se finira matin dominical. Check l'ambiance, mon pote, elle est tropicale. La vague sera chaude comme un pigal. Bruit des talons, coupe celui des cigales. La soirée se finira matin dominical. Le décrété est fait, je sors de chez le barbeur. Je m'y ajuste.